C'est pour favor, petite vidéo tutoriel pour te montrer rapidement comment tu peux faire le beat de Safarel, un truc comme ça dans Purity. Tu vois, j'ai mis ces l'équaliseur, je l'ai réglé comme ça, tu vois, assez facilement. Et ensuite, j'ai mis quoi? J'ai mis du delay bank. Delay bank, c'est l'écho. Tu vois, je l'ai mis ici à 4. Voilà. Ensuite, j'ai mis de la reverb. Voilà. Donc, en plus de ça, il s'agit de quel instrument? Cet instrument-ci, Faxing G2. Donc, et à ça, j'ajoute quoi? Un pad. Un pad que je prends dans Nexus. Tout simplement ici. SY, voilà, donc tout simplement ceci, tu prends cet instrument ici dans Nexus. Donc en plus de la première mélodie, tu ajoutes ça. Voilà, et tu, la première mélodie. Comment j'ai disposé les notes comme ceci, tout simplement. Tu vois, tu conserves la même. Voilà, maintenant on va ajouter un kick, tu vois, un pied tout simplement. Ensuite, on ajoute un hi-hat. Voilà, ensuite je vais ajouter, je vais remettre une 808, on va d'abord mettre un clap. Donc ça c'est un cymbal qui est disponible dans un de mes dropkits que je réserve à ceux qui suivent mes formations accélérées. Il est offert gratuitement aux membres des formations accélérées. Et ensuite il y a un clap. Donc là, tu peux choisir n'importe quel clap, mais seulement mes claps, ils sont déjà mixés et masterisés. Donc, c'est ça l'avantage, quoi. Sinon, tu peux télécharger gratuitement un drum kit offert dans la description, Afro Trapo. Et là, on va mettre la 808, voilà. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme tu peux le constater, les notes ici, j'ai baissé la vélocité. Pour pouvoir couper la 808, sinon elle va continuer, tu vois. Je veux pas qu'elle continue, je veux qu'elle s'arrête là. C'est pour ça que je mets une note sombre pour couper la 808. Voilà, maintenant on ajoute la mélodie tout simplement qu'on avait au départ. Ensuite, pour la partie coupé-décalé, tu mets un kick tout simplement, un kick normal. Bon, j'ai pris le même kick, pas changement de cadence, j'ai mis le même kick. Tu vois. Et ensuite, j'ai mis une beat, des tam-tam, voilà. Donc,
Donc ces tom-toms-ci, ils sont disponibles dans un de mes drum kits que j'appelle Simple Afrobeat. C'est un sample, c'est un pack de samples qui est beaucoup intéressant. Donc je le réserve uniquement à ceux qui suivent mes formations accélérées. Ensuite, on va ajouter une guitare basse. Ici, voilà, Vinta, tu sélectionnes cet instrument-ci. Ensuite, tu joues ta guitare. Donc, et en plus, maintenant, tu peux mettre un crash. Et qu'est-ce que tu fais? Tu mets la batterie. Ça, c'est des snares, un shaker et une caisse claire. Ok, donc tu vois, c'est un peu comme ça, tu peux mélanger d'autres percussions. Voilà, des trucs comme ça, tu ajoutes aussi. Et tu mets à la fin de la batterie, tu mets ça. Une caisse claire, tu vois, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Et après, le son revient, donc tu fais varier les deux rythmes, couper, décaler et la trappe. Donc, si on arrive à la fin de cette vidéo tutoriel, si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est composition de beat afro, couper, décaler, dombolo. Je t'invite à cliquer dans le lien dans la description pour télécharger gratuitement une série de vidéos gratuites dans tes différentes compositions sur FL Studio. Sur ce, ciao!